C'est toi qui peux parler. C'est Marine. Ok, ça va, tu vas bien, tu me laisses 2 minutes. Vas-y, ça va faire. D'accord, donc vous allez avoir une partie qui se fait sur le City Stade là-bas. Là-bas où on est sur un atelier de Cécile Foot. Okay, ok. Donc je vais vous faire. Il y a 3 équipes. Je vous fais les équipes. Ouais. C'est une journée pour le handicap, le festival en fait. Ça dure 3 jours. Relais technique, c'est tout ce qui est ici, sur le terrain d'à côté. Donc c'est les 2 ateliers techniques qui sont là. L'atelier sur le quiz, c'est ici. Et l'atelier Cécile Foot, c'est là-bas, sur le City Stade. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ah bah alors c'est parti. C'est du football, il faut qu'il y ait des matchs, mais il n'y a pas de compétition. On veut vraiment que cet esprit championniste soit absent de cette journée. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment sur la solidarité, le partage. C'est notre récompense, nous à l'arrivée, on fait ça pour faire connaître ces pratiques. On va bien jouer au foot avec des gens. Qu'est-ce que tu dis? Moi c'est cool aujourd'hui, c'est cool. Ouais, c'est bien. Quand tu fais mélanger comme ça et tout, ouais. C'est pas mal. J'aime il fait bien. Beau, t'es ouais. Marseillais, même si on a Gardanne. Ouais, c'est ça. Et allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Ouais, le cœur. Bravo. Vrai ou faux? Il faut attendre d'avoir soif pour boire? Non. Faux. Et toi? Faut y boire. Faux. Quand on a soif, on est déjà déshydraté. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Gagné. Ça demande un peu d'intelligence et un peu de culture. Il n'y a pas que le foot. Gagné. Et franchement, c'est hyper dur à voir, quoi. La personne qui a une vue comme ça, elle a vraiment un espace visuel de 3 mm. Alors cette manifestation nous apporte du visuel, c'est-à-dire une reconnaissance de nos sportifs. Ça, c'est une des premières choses. Et puis une ouverture vers le milieu valide, c'est qui est important. Donc on ne parle plus d'intégration, mais plutôt d'inclusion. Et le but du jeu, c'est que quand même nos jeunes voient le plus de gens possible, le plus de choses possible. Tout foot nous permet de mêler le tout, c'est-à-dire que sur le terrain, on ne voit pas de différence. Voilà. Vous avez des gens avec des dossards, on ne sait pas qui ils sont. Ce sont des footballeurs et c'est ça qui est le plus important et le plus intéressant. Genre c'est horrible, ouais, c'est troublant, on voit rien du tout, c'est bizarre, c'est trop bizarre. C'est troublant mais c'est bien parce qu'on se met à la place des autres. Souvent on pense que la déficience fait qu'ils ne sont pas capables alors qu'ils sont largement capables. On a des personnes qui n'ont pas de stigmate de la déficience. Donc du coup, ça permet de montrer à chacun, enfin, ce que chacun sait faire. On va retrouver des personnes valides qui sont peut-être moins douées en foot, et des personnes qui sont en situation de handicap mental, mais qui sont très douées avec un ballon au pied. Et c'est la notion de partage et d'échange, et de montrer ce que chacun est capable de faire. Quand on est ensemble, on peut tout faire. Tous foot, ouais. C'est ça. J'aime bien cette journée. Et tu vois, j'ai participé l'année dernière et je voulais participer au jeu cette année aussi. Il y a des non-valides et des valides qui jouent, c'est pour s'amuser. Qu'on soit handicapé, aveugle,
S'il nous manque des bras, des jambes, on peut tous jouer au foot. Voilà. On est tous les mêmes. S'il nous manque des bras, on joue avec les jambes. S'il nous manque des pieds, on joue avec les bras. S'il nous manque la tête, on joue avec le corps. On est tous égaux. Tout foot. Et on enchaîne. Ouais, bien joué. Pour le comité, ça semble important d'être présent sur ce type de manifestation pour le développement déjà de l'activité et pour permettre aussi à d'autres personnes qui jouent au foot en milieu valide de découvrir un petit peu d'autres manières de jouer au foot. Tout le monde est là pour partager une même passion autour du ballon. À bord ! À bord ! Faisait partie du festival, c'était pour moi très important de la mettre, ça faisait une bonne opération au début avec des beaux comités qui connaissent le handicap, qui ont pu travailler sur d'autres thèmes et c'est le début du festival. Et nous on travaille le partage, voilà. Nous c'est ça l'objectif, de militer, de nous rassembler, d'unir sur des activités, voilà, c'est ça le paysage et c'est ça que nous on travaille au quotidien. C'est bien. C'est magnifique, j'aimerais y revenir et pour la première fois, j'aimerais que ça recommence. Je suis très heureux et je valorise pas le district, je valorise tout le groupe qui travaille là-dessus parce que c'est phénoménal ce qui est fait.